Bonjour, bonsoir à tout le monde. Ça va dépendre de l'heure où on regarde la vidéo. Aujourd'hui, c'est lundi 8 avril 2024. Et nous rentrons la KO pour l'autre vidéo, Figui la rue, pour capable au moins une idée de comment la rue en levé matin. Puisque. Et suite avec Jean-Louis Nathalie, tu as un problème, un message que Negaxam t'a lancé sur les réseaux sociaux pour faire qu'on est pas dans la rue, etc. Maintenant, nous sommes capables de constater que c'est la rue qui levait. Et un peu timide malgré les diverses difficultés que les gens qui sont dans la rue ont même bravé, soulevé, eh bien, ils ont pris la rue quand même pour être capable d'aller chercher le pain quotidien. Hein, parce que nous connaissons au jour le jour de vie. Bien, nous sortis au niveau de tabac, nous sillonnons tout tabac, nous passons Gérald Bataille. Pour nous pour aller dans la zone Maïgaté, eh bien, on a fait toute route Maïgaté, on a passé trois mains et pour nous capables de faire au moins une idée de comment la rue aille. Ok, nous sommes capables de constater et presque toute bagarre fonctionne normalement. Eh bien, nous allons faire round up dans la rue pour capable de connaître comment la rue est même liée dans le moment de la bagarre. Entre temps, dans toute la rue, en vigilance là, toujours de mise, puisque nous sommes capables de dire que les tensions ont toujours été planées. Parce que nous connaissons les nègres, mais ça a parlé, donc ils ont souvent agi. Et ça souvent gagne une grosse répercussion sur la population civile là. Mais on continue à avancer, on continue à vivre comment là où il y a. Et pas oublier donc, je nous dis là, nous m'avons gâté. Et on peut un petit peu avancer, nous allons prendre les portes pour nous sommes capables de faire comment ça. Entre temps, nous pas remarqué dans la zone de Gérald Bataille et tabac dans la zone de dépasser plus la police. Mais nous pensons que la population elle-même, j'en ai dit tout à l'heure, elle est après la rue pour aller régler les pénitentiaires. Et malgré divers messages que nous avons commencé à brouiller, notamment dans la zone de repos. Mais nous sommes capables de constater et nous sommes même prêts la rue hein, pour venir vivre l'activité. Entre temps, nous sommes capables de constater que la sécurité a toujours de mise. Mesures de sécurité a toujours prêté dans la zone. Et bon, aéroport international qui s'est l'ouverture. J'avais dit divers policiers mélangés avec les forces armées d'Haïti, toujours mobilisés dans le parage, n'importe là,
pour capable au moins sécuriser un périmètre là. Mais on continue à avancer, nous là nous toi-même, on va avancer, nous va voir comment route aéroport est, comment zone carrefour aéroport est, surtout dans le dernier temps ça nous connaît qui toujours gagne de surveillance là dans les nouvelles font passer carrefour aéroport. Vous capable montrer de préférence comment et qu'à fois pour lever les mêmes matin. Voilà, nous sommes capables de constater là, bon, toi, bien, hein, pour nous donner des policiers, de, justement, capacité de circulation, hein, qui permettent que la circulation soit beaucoup plus fluide. Ça que nous allons remarquer maintenant, hein, au contraire, nous avons remarqué là, oui, complètement, pas bien la police, sauf que nous avons remarqué quelques-uns policiers, mais j'avais trois amis d'Haïti, je l'ai dit tout à l'heure. Bon, parage international, airport international qui s'est ouverture, mais là, on va remarquer la présence de la police dans le périmètre là. On a continué à avancer, on a continué à voir comment ça est. On est ensemble et en famille et alliés, donc nous ne parlons pas, mais est-ce que il y a un périmètre de sécurité bon, et en bas, zone Bobert maintenant, et plus précisément, zone Simon-Pelé, nous ne connaissons pas ce que gagne barricade que monsieur Nété, parce que nous depuis que je suis allé avec un sambalé, c'est un fond de est-ce que gagne des mesures, des barrages ou des barricades que monsieur Nété dans zone Simon-Pelé, eh bien, la privée, c'est capable de faire, c'est capable au moins d'une idée. Comment périmètre de Simon Pelé, zone reste sous l'aéroport là, dans le moment que nous parlons. Toujours DHL par où vous. Est-ce que ma vie, c'est pas
forme d'intimidation pour empêcher l'école de fonctionner matin, hein? Pour empêcher les parents qui étaient en intention de vous étudier l'école matin, hein? Empêcher alors signer la paresse, la calme, pour empêcher ce qu'on dans la rue. Mais en tout cas, nous n'avons pas remarqué divers établissements publics, privés, et la visite privée, on va aller de l'école pour le Garnis, on va aller de diverses écoles, on va remarquer côté nous passer, oh, bien sûr, pour fonctionner. Nous va remarquer pour qu'on ait l'été ça, diverses écoles, l'État, c'est viable pour qu'il soit. Mais si classe ça qui va pour qu'il soit, par exemple, lycée et Georges-Antoine Sénégui, ne pas remarquer, il y a un peu de matin. À continuer, nous sommes capables de voir comment la rue en est sur Internet. Voilà, quand on va voir parfois au port, les gens toujours souvent dire qu'ils sont zones. Et puis quand on est là, on remarque que toutes les machines ont fonctionné. Normalement, à cette différence, les machines ont pris dans le bon sens. Nous, parfois, nous ne pouvons pas les tirer. Mais bien sûr, toute activité est faite normalement. Non, Carrefour à l'aéroport. On a continué à avancer. La montée sur Goudelma, on est capable de remarquer l'activité même a fonctionné, ou a fait des